Bon, bravo, bien, bravo, bravo. Bravo. T'as tout à fait, mon cheval? Ah ouais. Ok, ah ouais, bien. Oh! Il n'a pas été réglé à matin? Non. Une bonne chute là-dedans, c'est ça qui est le meilleur. Ah oui, c'est lui qui paye. Ah oui. Depuis ouais. Combien de temps vous êtes forgeron, M. Boudreau? J'ai commencé ma 45e année. Où vous avez appris ça, ce métier-là? J'ai appris ça, moi, Saint-Ferdinand des Quatre. Pourquoi vous avez choisi d'être forgeron? Dans ce temps-là, on était supposé d'apprendre des métiers, on était plusieurs chez nous. Oui. Et puis moi, ça l'a donné, j'ai appris une quête forgeron. C'est dur? Ben dur. C'est long à prendre ce métier-là, ça prend du temps. J'ai donné un an de mon temps. Au bout de 3 semaines, j'ai fait mon voile tout seul. J'avais pas eu besoin de rester un an. Puis depuis ce temps-là, vous en avez ferré pas mal. Ah, ben, beaucoup. Combien par jour, à peu près? Oh, des journées de 7, 8, 10. Puis j'ai ferré des journées de 15. Ça prenait le temps pour faire un cheval, à ce moment. Oh, il y a une fois, on a pris l'heure. J'ai fait ça dans 23 minutes. Arracher les fers, les préparer puis les reposer. Et le gars était bien pressé. Puis je lui ai fait ça vite. Puis ça, c'est la journée que j'ai ferré 15 chevaux des quatre pattes. Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont plus difficiles à ferrer que d'autres? Ah oui, les difficiles, on les attache les pattes d'un corps. On a vu des temps durs, ça amenait du train, les châssis de foncer. Les vitres revolaient par être là. Mais qu'est-ce que vous faisiez au cheval? Ils étaient attachés, puis ils ne voulaient pas se laisser ferrer, c'était des féroces. Fait qu'on les attachait comme faux, puis à force d'homme, on venait à bout de collouer ça. J'ai fait tous les ouvrages généraux sur le cultivateur. J'ai fait des slings, puis la peinture, n'importe quoi. C'est avec ça que je suis venu à bout de gagner ma vie. Parce que forgeron, c'était pas suffisant. Ah, ben, on ferait trop bon marché. 50 cents, il fallait en faire 12-15 pour venir à bout de faire 5-6 piastres. C'était dur. Mais il y a des gens qui venaient d'ailleurs aussi, c'était pas seulement à Fortierville. Ah non, moi ici, j'avais 5 paroisses tout le tour qui venaient ici, fait ferrer. 12, 13, 15 000, ça venait faire ferrer aussi. J'ai eu une malchance, puis ça n'était quasiment pas une. J'avais un cheval qui avait été piqué par un autre forgeron. Et puis le gars s'en vient ici, son voile boitait. Mais finalement, pour arracher ce fer-là, il fallait arracher ça vite. Puis j'ai pogné la patte du cheval, puis je l'ai saisi. Bien dur, puis j'ai donné un coup pour arracher mon fer. Puis ça a surpris le cheval, il s'est monté au plafond de la boutique. J'ai monté avec le cheval, puis j'ai retombé. Il s'est rabattu aussi vite.
puis s'est rabattu le pied sur ma jambe, il me casse la jambe. Moi, quand je pognais une patte de joie, là, fallait que je serre. Il me traînait les pieds sur le plancher. Quand il avait fait ça 3-4 coups, là, il était à moi, il emmène la boîte, puis je le ferais. À part des féroces, là, on mettait le corps. Est-ce qu'il y en a qui étaient assez féroces, étaient obligés de les battre parfois? Ah, oh, ça l'est arrivé souvent, c'était vrai, de passer à l'or. Les aplanchir un peu. Ah oui, ça a été dur, on a vu toutes les couleurs. Alors, dans 40 ans, 44 ans, là, on en voit des affaires comme ça. Ça vous a appris, ce métier-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté, j'ai gagné ma vie. Pas plus? Pas plus. Ben misérablement, puis ben pauvrement.